Mesdames, Messieurs, Madame la Bourgmestre, le 9 janvier dernier, on l'a dit, un jeune homme de 23 ans est décédé suite à son arrestation par la police de la zone de Paul-Bruno. Il s'appelle Ibrahim Abari. Ce n'est pas un fait divers, ça ne peut pas l'être. Un jeune est mort, un de plus, c'est un de trop. Et de nombreuses questions se posent quant à son arrestation et son décès. La famille demande justice et vérité, et c'est une demande légitime qui doit tous nous habiter. Avec le groupe PTB, nous présentons bien sûr nos condoléances à la famille et nous soutenons fortement cette demande de justice. De nombreuses questions, je vous le disais, se posent quant à l'arrestation d'Ibrahima et à son décès. Pourquoi a-t-il été arrêté? Pour avoir filmé une intervention policière alors que c'est son droit? Pourquoi une réaction tardive à son malaise dans le commissariat? Pourquoi la police a donné des fausses informations, ou en tout cas sur les raisons de l'arrestation d'Ibrahima? Pourquoi est-ce que d'autres fausses informations quant à l'usage de drogue ont fuité dans la presse? Ces fausses informations constituent une double peine pour la famille en deuil qui voit son fils ou son frère injustement sali dans la presse. Si peu de clarté et de transparence dans la communication de la police. Des contradictions même n'ont fait qu'attiser des tensions déjà bien présentes au sein d'une partie de la population. Nous saisirons donc, bien sûr, comme nous l'avons dit, le Conseil de police de ces questions, mais ça nous semble aussi des questions qui doivent être abordées au Conseil communal. Par ailleurs, la manifestation en hommage à Ibrahima et les incidents qui ont suivi, en grande partie sur le territoire de Scarbec, démontrent qu'une partie de la jeunesse est en colère face à la répression de la police et aux discriminations qu'ils subissent. Ces événements constituent un signal d'alarme quant à la nécessité d'intensifier les programmes de prévention, d'aide à la jeunesse, de lutte contre les discriminations et de rétablissement du dialogue. Les dégradations de biens et surtout les violences, notamment contre une policière dont on a entendu parler, ne sont pas acceptables. Les organisateurs de la manifestation avaient d'ailleurs appelé au calme et à un calme qui s'est déroulé pendant l'ensemble de la manifestation. Les policiers et les policières font un travail difficile, tous les jours, et c'est un travail qui est rendu encore plus difficile pendant l'épidémie de Covid, avec des règles incompréhensibles à faire respecter, et vous venez également de le dire dans votre précédente intervention, les verbalisations sont en forte hausse, ce qui crée aussi encore plus de tensions. Certains éléments de la gestion de ces événements qui ont suivi la manifestation posent aussi des questions, comme des images choquantes où on a vu un policier utiliser un flashball quasi à bout portant. Ces questions devront aussi obtenir des réponses convaincantes. Nous les poserons aussi au Conseil de police. Mais plus généralement, et c'est le sens de mes questions, il faut prendre au sérieux la tension qui existe entre la police et les jeunes, spécifiquement dans certains quartiers. Il faut prendre au sérieux la peur des contrôles de police, la peur que ça dérape, la peur de se faire arrêter, la peur de subir des violences. Il y a des problèmes structurels au sein des forces de police, des problèmes de violence, des problèmes de racisme, des problèmes de discrimination. Pour que le respect soit trouvé entre la police et les citoyens, il faut que ce respect se gagne en respectant l'autre. On trouve le respect aussi. Et dans nos quartiers, nous le répétons, il y a besoin d'une police proche des gens et des policiers qui vont à la rencontre des habitants. Nous avons aussi eu déjà la discussion sur les bodycams. Dont nous avons dit qu'il ne devait pas simplement filmer quand le policier le souhaite, mais filmer tout le long de l'intervention policière pour pouvoir garder des traces objectives de ces interventions. Nous espérons que cette revendication sera entendue et que nous pourrons revenir sur l'utilisation des bodycams pour qu'elles soient effectivement utiles pour tous les citoyens et les policiers. Mais donc plus largement, nous devons entendre le malaise de la jeunesse, on doit l'entendre vraiment. La jeunesse qui souffre à cause du Covid, mais plus généralement de problèmes sociaux et à qui il faut offrir des perspectives pour qu'ils grandissent avec le sentiment non pas d'être des citoyens de deuxième rang, mais des citoyens à part entière avec des écoles de qualité, des emplois dignes. Et dans ce cadre-là, la commune a un rôle à jouer en matière de prévention et c'est dans ce sens que vont mes questions, puisque mes questions portent tant sur l'organisation de la manifestation, mais également sur la prévention qui a suivi ou précédé ces événements.
Ma première question porte sur le dispositif qui était prévu de la part des services de prévention de la commune pour assurer une présence lors de la manifestation ou aux alentours. Est-ce qu'il y a eu une coordination avec le service de prévention de la commune de Saint-Josse à ce sujet? Quels sont les retours par ailleurs de nos services de prévention suite aux événements qui se sont déroulés, notamment Place Litz et dans les rues avoisinantes le 13 janvier? Par ailleurs, nos enseignants doivent aussi répondre à la colère et au désarroi de ces jeunes. Est-ce qu'ils reçoivent du soutien à ce sujet? À qui ils peuvent s'adresser pour aborder ces questions complexes et difficiles dans leur classe? Par ailleurs, il est nécessaire pour nous d'investir dans les services de prévention d'aide à l'emploi des jeunes, dans les associations de lutte contre les discriminations. Est-ce que la commune a prévu de revenir sur son plan d'économie dans les budgets des associations communales suite à ces événements? Quels sont les moyens qui vont être investis dans les services de prévention à destination de la jeunesse? Merci d'avance pour vos réponses.